Salut tout le monde, c'est TheLudzy, on se retrouve pour sûrement le dernier épisode de Forgotten the Book. Donc la dernière fois on s'était arrêté juste là après l'entrée. Alors je vous avais fait un petit coup salaud où je vous avais dit bon bah on s'arrête en fin de compte. Alors qu'on avait pas il n'y avait pas grand contenu l'épisode dernier, mais voilà, je voulais pas continuer, m'arrêter en plein milieu du temple et vous faire ah bah voilà, maintenant c'est la fin et on continuera la suite la prochaine fois. Je préfère vraiment tout commencer en un coup. Et donc là on se trouve dans le cupola, dans la coupole, voilà, donc dans la coupole. Et donc du coup bah c'est parti, on va faire du coup le temple de la coupole qui nous donnera donc le bouquin. D'ailleurs, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment penser à Zelda, hein, entre le. Ouais, mais non, pourquoi on nous donnerait ça en fait? C'est forcément pour monter là. Ça, c'est pour monter. Attends, on va descendre en bas et on va faire un tour en bas. Alors, là, on a un moyen de monter. Alors, hop, hop, on va monter là, on va passer là. On va visiter légèrement. Alors j'ai l'impression que par là on va pouvoir monter. Hein. Attendez. Donc je suis en train de faire tout un détour, pas possible. Non en fait on peut pas. Waouh, c'est immense sinon. Hein. C'est vraiment très très grand. Ah, et là, là ça a l'air d'être le domaine où il y a le livre, je dirais. Sinon, à part ça, faut que je trouve un moyen de monter. Là il y a sur cette paroi-là. Ah peut-être qu'on peut monter sur le genre de pilier là. On va voir ça, ça m'a l'air propice à monter. Ou peut-être pas en fait. Non, ça, bon, non, on peut pas monter par là. Oh, t'es trop beau et trop facile sûrement. Non, il devrait y avoir un autre chemin, mais où? C'est une autre question. C'est une autre question. Aïe, j'en ai marre. Bon, attendez. Ça, je pense qu'il faut monter à partir d'en haut. Alors, on va remonter en haut. Je pense que là, si tu te casses la gueule, faut que tu remontes, je pense. Donc on va remonter tout ça. Allez, hop, 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 hop. On va monter là. Hop, hop, hop. Ok, on est là. Alors, du coup, on était parti pour aller faire un tour ici. Mais arriver ici, ça me sert à quoi d'aller là? Parce que voilà, quoi, c'était bloqué en fait ici. Donc ouais. Je vois pas trop l'intérêt. Bon, écoutez, on va faire le tour comme ça. Ah, j'avais pas vu la liane ici. Ok, donc la liane qui va être ici, du coup là on va passer sur le petit arbre. Qui très bien fait, j'aime bien les barrières comme ça, c'est très joli. Qui va nous amener là, qui va nous permettre de monter genre ici, ici, ici. On va monter en haut du pic. On va pouvoir aller en face normalement. S'il aurait bien voulu, ça serait passé. Mais il a pas aimé. Mais là c'est passé, donc ça passe. Ça passe ou ça casse de toute façon. Ok, donc on passe par là. Non pas par là je pense pas, on va plutôt passer par là je pense. Ouais ça a l'air ouais ça a l'air d'être beaucoup mieux par là. Arriver là je sais pas où. Là-bas. Je sais pas du tout, j'y vais totalement au pif, j'en sais rien. Ok oui c'était bien par là, nickel. Nickel pour moi. Ok donc on remonte sur le pic ici. Et donc. Est-ce qu'il faut aller là? Ah, j'active mon petit truc là pour savoir où aller. Ouais, mais non, mais. Moi, je peux pas jump jusqu'à là-bas, hein, c'est pas possible. Hein, donc, j'utilise un coup de. Oui, help ici, je suis d'accord, mais après. Je comprends pas. Ok, j'ai vu. C'est un peu hard quand même, non?
C'est ce que je disais, c'est pas possible. Putain, par contre, je vais devoir me taper tout le retour. Voilà, je triche, c'est pas grave. Non, mais attendez, je vais devoir me taper tout le retour. Non, mais faut pas exagérer non plus. Surtout que j'étais bien, j'étais bon, hein. C'est lui qui m'a pas accroché, hein. Voilà. Et là. J'y peux rien. Je suis désolé, c'est de la merde. Ils auraient dû corriger ces petits bugs, mais parce que justement, comme vous pouvez remarquer, c'est. Si tu es vraiment pas bien passé, bah tu te fais enculer. Et donc du coup, voilà, j'avais pas envie de recommencer encore et encore, quoi. Donc là, c'est mort, hein. Donc ok, donc c'est par là, ensuite la suite, si j'avais bien vu. Ok, donc c'est bien par là. Donc, du coup, je pense qu'il faut que je fasse ça jusqu'à là. Et après là je monte. Voilà, c'est ça. Donc ok, j'ai triché, j'ai utilisé la game mode, mais j'allais pas. Vous avez vu le temps que ça m'a mis pour me monter jusqu'en haut, j'allais pas remonter jusqu'en haut pour ça, quoi. Ok. Ensuite je pense qu'il faut. Ah, pourquoi? Ah, checkpoint, ouais, c'est ça. Ok, je pense qu'il faut avoir la liane. Voilà, ok, nickel. On va remonter en haut de la liane. Je pense qu'il va falloir prendre cette liane aussi, peut-être. Quoique. Je sais même pas où ça m'emmène ce truc-là. Tout ce que je sais, c'est que je monte plus tôt. Ok. Et on descend là. Ok. Et on est devant la coupole. Pourquoi je peux pas passer? Non. Ne me dites pas qu'il fallait passer par au-dessus. Fallait passer par au-dessus. Ouais, j'aurais dû voir le diamant. Bien joué. Voilà, ne m'en voulez pas que je me mette en game mode, mais voilà quoi, c'est. T'arrives en bas, tu dis ouais chouette, tu peux y aller, et en fait tu peux pas y aller, et après tu te fais enculer quoi, à te retaper tout le chemin. Bon ok, j'avais la casquette d'eau, mais bon, je vais pas me faire chier à rentrer. Alors bon voilà, je suis dedans. Oh non. Bon, on est en plein dans la coupole maintenant. Attends, c'est quoi ça? Donc ça va être nouveau, un truc où il y a les patterns à respecter. Mais pour ça déjà il me faut. Je pense que ça va être un mélange de tout en fait là. Autant un mélange d'eau, autant un mélange des. Ouais, c'est ça. Ça va être un mélange de tous les temples. C'est ce qui me semblait. Ok, bon, allez, commençons à chercher. Alors, là, par là. On va commencer par là où je trouve quelque chose hein, à faire. Un rubis, une caisse pour je sais pas quoi. Et une. Et un rocher. Ah, le rocher, fallait que je l'actionne. C'était où j'avais un truc, c'était là-bas. Allez, hop, on utilise le petit speed boost. Hop, 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 hop. Voilà. Ça change rien. J'ai une caisse. La caisse. Est-ce qu'il va falloir chercher toutes les caisses et genre les poser là-bas? J'en sais rien. J'en sais absolument pas, mais je vais déjà la positionner déjà au cas où. C'est où qu'il y en a une? Il y en a une au fond. Donc, ici. Ok. Ensuite, par là, on peut monter aussi. Hop, hop. Alors, est-ce que je vais par là ou par là? On va commencer par la gauche. Ah! Ah, putain de merde. C'est mal optimisé ce truc-là, je trouve. C'est vraiment pas terrible, terrible. Ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est pas du tout bien optimisé. Hein. Putain, j'y étais. J'ai cru que je m'étais ramassé, mais non, en fait, j'y étais.
Tant pis, bien joué. Allez, hop, on remonte. Allez! Allez! Je hais ces trucs. Je fais n'importe quoi là. Ok, j'y étais. Hop, hop. Ok, là j'ai de quoi tirer. Alors qu'est-ce que je peux... Alors je pensais pas qu'il fallait que j'aille tirer un truc, attendez. Je peux pas tirer la caisse. Ah, par contre, attendez, là-bas je peux... casser ça. Et c'est tout en fait. Donc je fais ça pour dire pas grand-chose. On va repartir pour aller là-bas. Ça passe pas. Allez, monte. Ok. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok. C'est une caisse, ça me fait une caisse en plus. Ensuite, on va aller là-bas. Comment je monte là-haut? On va dire comme ça, hein. Écoutez, ou alors peut-être par là en fait, il aura fallu, je sais pas. Oh. Ok. Ça a pas ouvert, je suppose. Bah non. Eh bah non. Bon, écoutez, on va amener ça là-bas. Je sais même pas s'il faut l'amener. Déjà, on va faire tomber cette caisse là-bas. Voilà, on va faire tomber celle-là. On va déjà aller ramener celle-là. Non, on fait celle de l'autre côté. Se tromper d'endroit, demi-tour. Alors, c'est où celle-là je dois la mettre? Ok, ici. Alors, un cran par là et par là-bas. Encore. Voilà. Ok. Ensuite, c'est où qu'il me manque encore des caisses? Alors là, il y a une caisse, ok, qu'on peut monter. Donc comme ça. Hop. Ah putain, j'aime pas ces trucs-là. Hop. Allez. Merde. On recommence. Ok. Ah mais la caisse elle est juste là. Allez, on dégage. Ok, ensuite, où est-ce qu'on a encore d'autres caisses? On a... Ce truc là-bas, il sert à quoi? Ah oui, il y avait une caisse là-haut avec un rubis. Là-bas, rubis! Pardon. Putain, quand il y a des rubis, j'ai réussi du premier coup les sauts. J'ai cherché l'erreur. Ok, là où on a une caisse encore. Ok, donc par là qu'il faut monter. Ça va, c'est pas trop compliqué non plus à comprendre par où faut passer. Enfin, les jumps sont un peu compliqués. Mais sinon, comprendre par où faut pas... Oh vache. Par où faut passer, ça va. Oh putain! C'est quoi un saut de 4? Saut de 4 diagonale. Putain, vache. Par contre, niveau saut, ils y vont, hein, parce que... Putain, vache. Ok. Là, je peux m'agripper et je peux monter là-haut. Et j'ai un rubis là-bas, je l'ai vu, celui-là. Non! Ah, si. Allez, viens là, toi. Non, mais allez. Il faut que je sois au-dessus pour l'avoir. Ok, hop. Hop, zou. Allez, on va poser la caisse. Ok,
1, 2, 3, c'est bien 3 caisses que j'ai. Ok, donc déjà j'ai toutes les caisses, c'est déjà bon signe. Hop. Après, ah oui, c'est vrai, et après rien ne m'empêche de les rebouger, c'est vrai. Alors, une ici et une ici, ok. Hop, au fond. Et celle-là. Un cran par là et là. Hein? Rien? Quoi? Mais c'est fait! Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que ça a ouvert là-bas peut-être la roue? Ben non. On a un poids, attendez, mais on le pose où le poids? Ah, genre là, d'accord. Ok. Va falloir que je monte. Voilà. J'avais trouvé un autre poids, c'était là-bas. Et donc peut-être que là, c'est moi qui dois y aller. Donc cette fois-ci, voilà, je peux pas bouger en fait les caisses parce que ça n'a rien fait ça en fait, donc je dois trouver un autre moyen de monter en fait. Alors par là peut-être, ah, ouais, sûrement par là, ouais c'est ça, ça doit être ça. Mince, hop hop hop, comme ça. Ça m'a l'air chaud quand même. Ah putain, ça m'a l'air chaud mais je vois pas trop d'autres possibilité. Non, c'est ça. Ok. C'était bien ça. Y a un truc là-haut. Sérieusement? Mais c'était pas où? Mais c'était bien par là. Ah non, y a rien là. Ici y a un truc. Ok, on est d'accord. Là y a un truc, on est d'accord. Là y a un levier. Ah bah oui, c'est ça, mais je suis con. On ça pouvait pas fonctionner, la roue fonctionnait pas, donc c'est clair qu'on pouvait encore attendre que la porte s'ouvre. C'était pour ça. Ok. 3. Maintenant. Putain, il saute 4, j'ai horreur de ça. Ça passe pas. Enchaîner, ça marche pas. Donc il faut vraiment le faire sur place. Oh putain, je m'y sentais trop là. Mais non. Ok. Hop. 1, 2, 3. Maintenant. Allez, pourquoi saute pas? Mon nez qui gratte. Allez, hop. 1, 2, 3. Maintenant. Ok. Voilà. Et c'est moi qui ai été pas mal. En fait, pourquoi j'étais monté? Ah oui, pour la caisse. J'ai pas plus regardé que ça en fait. Mais. Allez! A few moments later. Vous TV. Voilà. Stop, hein. Oh, un moment là, le saut de 4, il va se faire voir, hein. Ok. Déjà que je suis là encore à refaire là. Hein? On se calme, hein. One eternity later. N'empêche, j'ai remarqué un truc. Quand je joue en solo, j'ai pas de connexion. Par contre, quand je me mets à jouer en multi. Enfin, non, quand je joue en solo, j'ai de la connexion. Mais quand je me mets.
à jouer en solo, j'ai de la connexion. Quand je joue en multi, j'ai pas de connexion. Quand je joue en solo, j'ai de la connexion. Mais qu'est-ce qui merde? J'ai tout fait. Attendez. Qu'est-ce qui manque? D'accord, il n'y a aucune erreur. Pourquoi là-haut? Il manque un truc. Il manque une bouboule, enfin un truc à poser. Ah, il m'indique là-haut, est-ce que ce serait pas là-haut qu'il y aurait la boule? Il est pas mieux celui-là, mais... Il est pas mieux ce jump. En fait, le truc qui bug, c'est ça en fait. C'est pas large, c'est pas vraiment un bloc, je sais pas vraiment comment ils font ça pour que tu tiennes dessus, mais... C'est ça en fait qui crée la merde en fait sur le jeu. S'ils mettraient des blocs pleins... Ça fonctionnerait, hein. Mais okay, ça marche. Voilà, j'arrive là, mais là, voilà, là, j'ai des flèches. Mais j'ai pas de, il me faut un boulet. Mais il est où le boulet? Là, ouais, là, je peux pas passer non plus. Y aurait... Attendez, est-ce qu'il y aurait genre un... Est-ce qu'ils auraient été assez forts pour mettre un boulet genre là? Je vais pas prendre la tête, non. Ah, un rubis au passage. Je prends. Ça aurait été fourbe de leur part en avoir foutu un rubis ici. À part un rubis, une pierre. Non, y a pas. Putain, j'ai pas envie de vous laisser en plein milieu du temple là. Elle est où cette pierre à la con? Ok, re tout le monde. Voilà, donc ok. Donc on se retrouve après une grosse ellipse. Et il s'est passé que chez moi, en fait, il manque un caillou. Voilà. Je viens de regarder une vidéo anglophone, là, d'1h30. Bon, je regardais que la fin, mais la personne trouve trois cailloux. Il y en a un là-haut. Alors j'aurais pu dire, je crois que celui-là je l'avais pris. Il y en a un en haut, genre de celui-là, je crois. Et il y en avait un dernier qui se trouvait qui se trouvait là-bas, je crois. Alors lui, il avait déplacé la caisse là. Exactement comme ça. Il était monté là. 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 Et là ça marchait. Voilà, donc moi il me manque un caillou, mais Ah oui non, voilà, il y avait un caillou là, voilà, il y avait un caillou ici. Voilà, un caillou ici. Il y avait un caillou là-haut. Et le dernier caillou, il se trouvait là-haut. Voilà, là-haut. Et parmi tous ces cailloux, bah, il y en a un qui a disparu. Voilà, parce que ça en fait un. 2 et bah c'est tout. Et voilà, et que 2 en fait. 2 sur les 3. Et donc du coup, bah vu que j'ai pas 3 cailloux, vu que ça peut pas fonctionner. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi à quel moment. Ou alors s'il y en est un. Je sais pas. Du coup, je vais en prendre un de parmi ceux que j'avais triché. Et puis je vais le poser, quoi. Il me semblait avoir pris tous les cailloux. Alors pourquoi ça ne. Pourquoi il n'y a pas eu tous les cailloux, j'en sais rien. J'en sais vraiment pas. Dans tous les cas, voilà, j'ai cherché, j'ai regardé chez le youtubeur américain. Lui, bah, il n'a pas eu de problème, donc du coup, je me dis, bah non, il n'y a pas de problème. De plus, il n'a même pas besoin de poser la boîte, là, ça a marché sans la boîte. Alors, j'en sais rien, et donc là. Voilà, et là-bas, ça marche, regardez. Donc, il me manquait un bouton, voilà, donc il me manquait bien un caillou, et donc du coup, bah ça pouvait pas fonctionner. Bon, bref, admettons, on va dire un petit bug de la map, c'est pas grave. Bon, continuons. Ah! Ah! Le livre! Le livre, là-bas sur l'autel. Oui! Le livre sacré, enfin!
Ah, un rubis, j'ai failli le louper. Attendez, cherchons les autres rubis. Je suis pas fou, hein. Hein, dites-le que je suis pas fou. Oui, voilà, donc je recherche au cas où qu'il y a un petit rubis qui se planque là autour, c'est probable. Ah! Tu vois, quand je te dis que. Je suis pas taré! Ah, mais par contre, j'ai peur que si je m'approche, ça déclenche une cinématique. Alors pour moi, ça fait 1 heure que je tourne un épisode. Une putain d'heure que je suis dessus. Bon, ça fait 1 heure certes, mais au moins. Au moins, j'y serai arrivé. Pour vous, ça vous fera un épisode de 20 minutes à peu près. Je vous ferai les accélérer ou autre, ça passera 20 minutes crème. Hé hé. Bon, 17, on va voir si on avait bien 17. Allez, allons voir. Je pense qu'il va y avoir une petite cinématique, alors je vais augmenter légèrement le son. À le monter à 50. Voilà, ça suffira. Allez, c'est parti. C'est mon histoire. Quoi? Comment ai-je pu me retrouver ici? J'ai l'impression de revoir les mêmes choses. C'est comme si mon corps ne pouvait que répéter les choses que j'ai déjà faites. C'était ça que voulaient dire les inscriptions? Nous sommes condamnés à revivre l'histoire que nous avons écrite? Toute personne rentrant dans la zone du temps pour voir son histoire écrite et devenir sa propre prison? Le suicide des hommes d'Antonio Del Rio s'explique. C'était leur seule solution de sortie. Comment sortir? Suis-je condamné? Personne ne comprendra jamais ce livre. Personne ne s'échappera de cette histoire. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Veux pas mourir. Et nous sommes mis en spectateur. C'est ça. Alors déjà, je voulais voir juste comment c'est fait. Putain, non, on n'y voit rien. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette map. Elle était extra. Magnifique. Que ça soit à niveau build, que ça soit au niveau environnement, terraforming, niveau l'histoire qui est génial. Les donjons sont bien adaptés. Bon, à part ces petites plateformes qui sont un peu mal foutues, mais sinon c'est super bien. La dynamique, on s'y fait au jeu, on s'y prend dedans. Et la chute de l'histoire, l'air de dire en fait justement ce bouquin-là, bah, à partir du moment où on trouve le bouquin, on répète l'histoire en boucle jusqu'à pouvoir se suicider. Toutes les notes qu'on a trouvées prennent sens en fait justement parce que je comprenais pas pourquoi ils se sont suicidés et tout. Mais en fait du coup tout prend son sens en fait. Tout prend le sens de pourquoi ils se sont tués. Parce que leur histoire vit en boucle. Ils ne peuvent pas faire autrement que vivre en boucle. Mais je trouve ça juste génial.
Je trouve ça génial. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Je trouve. Cette map était géniale. Était géniale. La fin était parfaite. J'aurais pas fait une fin mieux que ça. Sans déconner, je pense vraiment ne pas avoir pu faire une map mieux que ça. Alors, on a les common blocks. Je serais curieux de savoir où sont les common blocks. Juste pour les check. Alors là, on a des blocs. Alors pourquoi, je sais pas. Mais on a des blocs ici. Là, on a quelques common blocks. C'est tout ça comme common blocks. Je m'attendais à tellement. Ah non, ça doit être là-dedans. Non, même pas. Même pas. Ah, ok. Non, non. Ils sont où les command blocks? Il n'y a pas de... Ah si, c'est forcé, il y a obligatoirement des command blocks, mais où? J'en sais rien. Ils ont peut-être dû les générer autre part, c'est... Ouais. Ah, on voit le Voxel Sniper. ouais. Ah oui, on voit bien Voxel Sniper ici. Ouais, c'était vraiment une map vraiment magnifique, bien jouée, bien faite et bien construite. Attendez. Non, c'est l'autre. Voilà. On refresh tout ça. C'était vraiment une map bien dosée et la fin de l'histoire est juste ouf. Franchement, je n'en reviens pas de cette fin d'histoire. Je m'y attendais tellement pas et je la trouve juste. Waouh, je la trouve juste magnifique, elle est géniale cette map, elle est vraiment géniale, je vous la conseille, enfin, je vous la conseille. Vous l'avez déjà vue certes, mais enfin vous l'avez déjà faite, mais si vous voulez essayer de la refaire ou de vos côtés, je vous invite à le faire parce que je la trouve vraiment géniale et vraiment elle est grandiose cette map. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. D'ailleurs pourquoi j'avais mon épée en diamant depuis le début dans la map? C'est probable. Alors l'épée en diamant, je peux vous l'expliquer. De toute façon, en fin d'épisode, de toute façon, vous l'avez sûrement remarqué. L'épée en diamant, c'était en fait parce que quand j'ai invoqué les slimes, il fallait que je les bute. Et donc du coup, bah, voilà, j'ai pris l'épée en diamant. Et aussi, c'est pour ça que celle-là, vous voyez, c'est Dandelion et Yellow. Et puis, et pas page 33, page 14 ou autre. Parce qu'en fait, je me suis merdé. Et puis du coup, je me le suis re-give. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, voilà, sur ce, c'était Zoïd, j'espère que ce petit let's play, enfin, let's play, c'est pas vraiment un let's play, j'espère que cette petite map aventure vous aura plu, moi je me suis éclaté dessus. J'ai vu qu'ils ont fait d'autres maps, comme Unseen Force, Arid Fortune, Limbo, apparemment, ok, on verra. La Cité Féerique aussi. Vous pouvez compter sur moi, je les ferai. Quand? Cet été. À la suite de cela. Peut-être pas, on verra. On verra en fonction de mes envies, mais dans tous les cas, voilà, je vais déjà faire le montage de ces vidéos de cette série. Et après, on verra ça. Bref, j'espère que cette petite série vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Inside, je pense, hein. Je pense que je calerai ça entre Inside. Donc on se retrouve très bientôt pour Inside. Quel épisode? J'en sais rien, on verra. C'était The. Pensez à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu en l'air qui pointe vers le ciel pour pouvoir me soutenir sur cette magnifique série. Enfin, me soutenir pour me montrer vos impressions sur cette série. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes et pour sûrement une nouvelle map. C'était The. Ciao!